Communion au quotidien. Bonjour et bienvenue amis à Communion au quotidien pour aujourd'hui. C'est notre première sortie pour cette nouvelle année 2023. Au nom du foyer de communion et la rubrique Communion au quotidien, je vous souhaite une année 2023 avec Dieu. Une année pleine d'inspiration et rempli de progrès à tous égards. J'en profite pour remercier chaque personne, chaque âme que Dieu nourrit à partir de l'autel du foyer de communion. Je vous remercie aussi de votre confiance. Je prie que le Seigneur franchisse une nouvelle étape avec vous dans votre croissance spirituelle. Une fois de plus, je souhaite une année bénie dans la présence surabondante de Dieu à tout un chacun. Amis, nous revenons à l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, après quelques jours de recul, bien sûr. Voilà, l'expérimentation, notre foi en mouvement dans l'étude et la compréhension de la parole de Dieu. Nous sommes dans la dernière partie du livre des Actes des Apôtres, un des livres les plus attractifs de la Bible. Là, amis, nous avons gardé ensemble la marche progressive de la foi, la conquête graduelle du monde par l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Amis, nous avons gardé bien comment. Voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est progressé. L'évangile qui atteint graduellement des cœurs, qui atteint graduellement les zones, qui était, sorti Jérusalem, li prend l'Europe, li prend l'Asie, c'est-à-dire que marche là a continué. Si vous songez dernière publication que nous avons fait, hein? Nous avons considéré Paul dans Actes des Apôtres chapitre 20, côté que li fait suite à une émeute qui était gagnée à Éphèse. Côté que Démétrius avec atelier li qui t'a fait effigie pour idole que y aurait les Diana. Bon, li pas admettre que son idole. Et li trouvait que li soulevait population contre Paul parce que Paul avait déclaré que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Amis, je ne sais pas comment vous le considérez, mais comment imaginer quelqu'un qui fabrique son Dieu, qui fabrique son idole pour l'adorer et espérer et croire que cette idole, cette fabrication peut répondre à ses besoins. Bon, ce n'est pas à nous d'en juger. Ce n'est pas à nous d'en juger. Mais la Bible est claire là-dessus. Dieu est Dieu. Notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ok? Il peut parler, il peut bouger, il peut conduire. Et Paul dit en général, « Mon Dieu semblait avec idole que vous faites. » Non, c'est David qui dit ça. Il dit « Vous semblait avec idole que vous faites. » Eh bien voilà, Démétrius soulevait peuple Éphèse là contre Paul. Eh bien, Paul, pas de problème, il fin by disciples exhortation que lui doué et lui déplacé, retourné en Macédoine et lui retourné encore en Grèce. Mais certainement, c'est avec un projet aussi de se rendre en Syrie. Mais comme nous connaissons dans le même chapitre 21, les Juifs notamment de la Grèce, ils avaient tendu une embuscade, ok, pour Paul. Et averti, Paul revient sur ses pas en Macédoine, où il est embarqué pour Troas. Aujourd'hui, amis, pardon pour l'absus là, amis, nous parlons de un incident qui peut faire manifester la gloire de Dieu. Il y a un incident qui peut le faire manifester la gloire de Dieu. Ou imaginez, il y a un premier jour de la semaine et ça peut être miraculeux. Mais pas de panique.
il est vivant. Pas de panique, il est vivant. Et c'est le sujet que nous abordons pour aujourd'hui. Et, amis, nous allons regarder ensemble que de Philippe en Macédoine, Paul embarqué pour Troas en Asie mineure et il est rejoint par ses compagnons. Et là, à Troas, Paul va passer 7 jours. Et amis, le premier jour de la semaine, à savoir dimanche, ensemble, Paul, ses compagnons et les disciples se réunissent pour rompre le pain. Et amis, pas oublier que Paul là pour un séjour bien court, 7 jours, il va profiter pour lui prendre un temps vraiment long avec disciples jusqu'à minuit. C'est-à-dire l'église locale réunie jusqu'à minuit et au-delà de minuit pour entendre l'enseignement de Paul là. Et ça va arriver, les amis. Il y a un incident qui va arriver. Pas des moindres. Un incident. Un jeune homme du nom de Tychus. Alors, c'est le mot grec quand même, mais c'est Eutyche en français. Assis sur la fenêtre, au troisième étage, à la chambre haute, s'est endormi pendant le long discours de Paul. Et tendez bien, amis, ça va arriver. Eutychus va tomber en bas. Il va tomber de troisième étage côté le théière. Et côté le tombéa, le constat est qu'il est mort. Bon, pas besoin d'où. Luc, comme médecin présent, eh bien là, il n'y a pas à sortir de là. Il est constaté mort. Et mes amis, vous comprenez ce qui va arriver? Pas de panique, il est vivant. Paul a dû descendre pour se pencher sur le corps du jeune homme et le prendre dans ses bras pour rassurer les croyants qu'il n'y a pas de moyen de paniquer. Le jeune homme est vivant. Waouh! Voilà comment rencontre l'homme pour capable continuer jusqu'au matin. Ils ont partagé la Sainte-Seine. Ils ont même pris un repas ensemble. Donc, le jeune homme est ramené à la vie, ce qui était une grande consolation pour les disciples. Oh, ami, pas de panique, il est vivant. Waouh! Mes amis, je me sens sous cœur pour me dire aujourd'hui, pas de panique. Pas de panique! Au nom de Jésus, pas de panique. Je vous lis la parole de Dieu. Il a dit, pour nous, après le jour des pains sans levain, c'est-à-dire après la Pâque, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et il y avait des lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ami, pas de panique, il est vivant. Pas de panique, il est vivant. Regardez bien, amis. Après l'échec de se rendre en Syrie, à cause de complots juifs qui ont été faits, Paul s'est refoulé en Macédoine, précisément à Philippe, où il a passé la saison pascale, la fête des pains sans levain. Ou songez fête ça, amis. Fête juif ça, qui rappelait le sang de l'agneau sans défaut que Moïse t'a posé sous porte chaque et hébreu, qui t'a préservé, ok?
qui te préservé yo de l'ange de la mort, qui te protégé yo pour que petit yo, premier petit yo, notamment oui, petit garçon yo, pas mourir. Nous songez le terme ça Passover en anglais pour la Pâque juive. Eh bien, vos amis, cette fête est bien différente de la Pâque chrétienne, certainement, qui célèbre la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ou là. Mais en réalité, la Pâque juive était une préfiguration de la Pâque chrétienne. OK? Mais en aller, juste après la Pâque, Paul et ses compagnons se sont embarqués pour Troas, c'est-à-dire en Asie mineure, ils ont allé pour un séjour d'une semaine. Et voyage là durait plusieurs jours, pas moins de 5 jours, probablement à cause des vents contraires, parce que en général, il va durer tout le temps ça. Mais au verset 7, les amis, gardez bien Luc comme auteur des Actes des Apôtres, du livre des Actes des Apôtres, il va introduire nous à premier jour de la semaine. Il dit premier jour de la semaine, c'est-à-dire dernier jour que vous avez passé à Troas là. Vous avez fin séjour là. À savoir dimanche. Possiblement à la fin de ce séjour à Troas, comme je viens de vous dire. Puisqu'il a dit que Paul devait repartir le lendemain. OK? À noter que dimanche, le premier jour de la semaine, a été retenu par les disciples de Jésus-Christ, OK, les croyants, l'Église. Eh bien, on se rencontre pour célébrer un culte en souvenir de la résurrection du Seigneur, le premier jour de la semaine, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire que le dimanche était le seul jour de rencontre, OK? Mais ça me dit plutôt que les disciples se rencontraient tous les jours, mais en mettant accent sur le dimanche pour marquer à jamais ce souvenir qui doit être inoubliable en raison de son importance dans notre salut. C'est l'un des piliers de l'Évangile, la résurrection de Jésus-Christ. OK? On monde pour sauver, faut qu'on croit que Jésus-Christ mourit dans place où, faut croire que il ressuscitait tout. Et c'est parce que le ressuscité qui fait le capable de pardonner, il est capable de bailler la vie éternelle. Est-ce qu'on l'a? N'a pas retourné dans le passage. Il est aussi dit qu'ensemble, ils rompaient le pain, c'est-à-dire qu'ils partageaient la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Suivant l'enseignement de Jésus aux disciples, où là, la Sainte Cène, ils ont triple objectif, est-ce qu'on l'a? D'abord pour témoigner de l'unité du corps, l'unité de l'Église, l'unité des disciples, OK? Parce qu'un seul Seigneur, un seul corps qui est l'Église, une seule foi, l'Évangile, n'est-ce pas? La foi en Christ, la foi qui sauve, un seul baptême, une seule espérance, c'est-à-dire que nous n'avons pour nous vivre glorieusement avec le Seigneur Jésus. Deuxièmement, il a pour rappeler nous le sacrifice du calvaire, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, son corps meurtri, son sang versé, donc sa souffrance. Et enfin, nous là pour Sainte-Cène là pour que nous capables annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire nous là pour nous proclamer le message de l'Évangile, c'est-à-dire le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pendant toute la dispensation de la grâce, donc pendant tout le temps de la présence de l'Église sur la terre. Voilà. Et bien amis, nous rencontrons ça, bien Sainte-Cène. Rencontre ça, Paul prend un temps relativement long avec les disciples. Ah oui, c'est une précision qui semble évoquer que ce n'était pas toujours habituel. Cependant, pour le besoin de la cause, Paul est en séjour, il doit repartir, il profite pour parler plus longuement avec les disciples. Comme parce que ça nous arrive des fois, hein, que nous prolongeons des fois des rencontres. Bon. Au fait, le Saint-Esprit est là aussi pour nous diriger. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle, ami, bah, elle va dépendre de vous, elle va dépendre de vous, comme pasteur, elle dépend de bon Dieu. Des fois, nous avons bien aimé aller, bref. Mais Saint-Esprit, qu'on qui ça l'a dit, Saint-Esprit, qu'on qui parole, il a besoin pour vous. OK? Voilà. Eh bien, Paul profitait pour parler plus longuement avec les disciples. C'était nécessaire. L'enseignement de la doctrine, probablement, les échanges sur les expériences missionnaires, peut-être, les responsabilités du leadership des églises, peut-être, les obstacles rencontrés sur les champs missionnaires, peut-être. Mais tu as besoin pour ça. Et il a dit jusqu'à minuit. Oh, l'assemblée était encore là pour ce long entretien avec l'apôtre. Waouh! Et il a fait mention des lampes allumées dans la chambre haute. Vous connaissez, lampes, ça y fumait, OK?
comme pour attirer notre attention sur le fait que la fumée des lampes pouvait contribuer peut-être à l'assouplissement du jeune homme. Peut-être. Mais parlons de nœud gordien, le nœud gordien de la rencontre, comme il a dit, point culminant. Comme si Paul, Luc racontait histoire ça dans le livre, il parle de côté la mener nous, en alloué exactement. Un incident va se produire, pas des moindres. Le jeune Eutychus, assis sur la fenêtre, s'endormit profondément avant de tomber du troisième étage et il est constaté mort. Wow! C'est un drame qui arrivait pendant la rencontre là. Oh mes amis, connais-nous en poser question non? Pourquoi cet événement malheureux pouvait-il être évité? Qui était responsable? Mes amis, en pile question nous t'a posé. Mais toutes ces questions traditionnelles se posent par l'esprit humain qui cherche une explication facile à un problème complexe. Mais la réponse fondamentale, amis, reste c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vite, les disciples sont descendus pour constater le dégât. Le jeune Eutychus est mort. Probablement, Luc, médecin, a pu faire le constat de la mort du jeune homme. Paul a dû lui-même descendre pour se pencher sur lui et prendre le jeune homme dans ses bras. Waouh! Miracle! Miracle! Il est vivant! Il est vivant! Voilà comment, amis, Paul a pu calmer les esprits en rassurant les disciples. Ne vous troublez pas, son âme est en lui. En réalité, amis, la Bible dit que Dieu peut se glorifier de toute manière, soit par la vie ou bien par la mort de son enfant. Il peut le faire. Cependant, dans une telle circonstance, Paul qui prolonge son discours dans son entretien avec les disciples à Troas, un jeune disciple, ben la vie lui est revenue par la toute-puissance de Dieu, sans aucune forme de cérémonial, hein? Pas une cérémonie là, hein? Un miracle de résurrection en pleine nuit, en plein travail, en plein champ missionnaire. Oh, gloire à Dieu. Avec Dieu, pas de panique. Le Seigneur est en contrôle. La situation est à notre portée parce que le Seigneur est en contrôle. Waouh! Et voilà comment, amis, la rencontre a pu continuer jusqu'au matin. Paul a terminé son discours. Il a partagé le repas du Seigneur avec les disciples avant de repartir de Troas. Et l'assemblée a pu revoir Eutychus vivant. Et c'est le sujet d'une grande consolation. Donc, amis, malheur arrivé. Oui, un malheur est arrivé. Mais le Seigneur intervient par sa toute-puissance. Pas de panique. Il est vivant. Oh, le malheur atteint souvent le juste, hein, n'est-ce pas? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas de panique, il est vivant. En conclusion, amis, c'est un événement qui a marqué les esprits. Voilà, la communauté des disciples de Troas a pu vivre une expérience inhabituelle, n'est-ce pas? Réunis autour de l'apôtre Paul, Eutychus passe de la mort à la vie. De la mort à la vie. Amen. La parole du Christ ressuscité est vie pour qui l'écoute et l'accueille, dit un commentateur. À noter que les disciples n'avaient pas de jour de repos à observer. Mais le premier jour de la semaine était réservé au culte. Oui, pour partager le repas du Seigneur. Et voilà, Paul, qui disposait de très peu de temps avant que le laisser Troas, lui prolongeait entretien avec disciples jusqu'à minuit et même jusqu'au matin. Mes amis, ce qui est important pour nous souligner, c'est que malgré ce malheur qui est survenu, la rencontre a pu continuer jusqu'au matin. Les disciples ont pu partager la Sainte Cène et même un repas à vie. Sous la puissance du Saint-Esprit, rien ne fait obstacle au service du Seigneur. Mabdou Sazamim. On nous était en bas, mais bon Dieu, parce que sous la toute-puissance de Dieu, rien pas impossible. Et pas bien obstacle au nom de Jésus. Obstacle
tomber au nom de Jésus. Moi déclarer que obstacle tomber au nom de Jésus. Pas de panique, il est vivant. Waouh. Quelqu'un a dit, la puissance de Dieu est si manifeste. La puissance de Dieu est à l'œuvre que cet incident, au lieu d'interrompre la réunion et de distraire les esprits du message de Paul, eh bien, amis, sacrifié. Le message de Paul a pu toucher et affermir les cœurs des auditeurs qui restent jusqu'à l'aube pour écouter. Waouh! Zabi, vous comprenez ça? Paul qui passait de Philippe à Troas après saison pascale là, eh bien, il peut rencontrer disciples là, premier jour de la semaine, rencontre jusqu'à minuit avec les disciples et même au-delà, l'assemblée se réunit et voilà comment l'incident du jeune Éticus qui est tombé du troisième étage, il est constaté mort. Il est constaté mort. Mes amis, Paul intervenu pour lui, ok, à le pencher sous lui, prendre la balle pour lui dire, eh non, pas de mort, il est vivant. Et au plus, la Sainte-Seine, résurrection, réjouissance, amis, en pile, causé, oui, la présence, mon Dieu. En pile, causé de présence de Dieu. La Bible dit, il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ami, la présence de Dieu garantit-nous protection. La présence de Dieu garantit-nous provision. La présence de Dieu garantit-nous tout bagaille. C'est tout pour nous. Jésus, c'est tout bagaille pour nous. Wow. Ami, nous pouvons le prier. Nous pouvons le prier matin. Hein? Nous pouvons le prier. Disposer pour nous capables de prier. Nous allons prier pour nous demander, bon Dieu, et faveur pour que la présence de bon Dieu envahisse nous, pour que bon Dieu garde nous, pour que nouvelle année, ça c'est une nouvelle c'est année de recommencement nous avec le Seigneur, pour que nouvelle année, ça c'est année côté n'a grandi avec bon Dieu, côté n'a redécouvrir bon Dieu dans année ça. Vraiment, c'est un besoin. Prions ensemble, amis. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta personne. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es Dieu et tu es le seul vrai Dieu. Nous t'adorons, nous bénissons ton nom, ô Saint et glorieux. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits manifestés envers nous, tes enfants. Nous te rendons grâce pour ta parole, ô cette source inépuisable qui nous enseigne, qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous instruit. Nous bénissons ton nom, train de Père. Ô, nous te louons, Seigneur, pour cette histoire qui nous rappelle comment, oui, ta toute puissance a éliminé toute distraction qui pourrait causer un obstacle à ton travail, à la proclamation de l'Évangile. Oh, sans cérémoniel, mais puissamment, tu accordes la vie. Je bénis ton nom. Nous bénissons ton nom. Glorieux, miraculeux. Oh, merci Père parce que tu es bon. Je remercie au Papa pour l'opportunité qu'on baille nous pour nous approcher de vous à tout moment. Au début de cette nouvelle année, nous remercions pour disposition que vous baille nous pour nous capabilité dans présence chaque jour, tous les jours de cette année qui annonce avec toute prédiction, yo, bon ou bien mauvais, mais au nom de Jésus, nous déclarons que 2023 est l'année de notre commencement, de notre recommencement avec toi. C'est l'année de progrès, l'année de prospérité à tous égards avec toi. C'est l'année de la proclamation régulière et constante de ta parole, de ta vérité. Ô Père, merci. Nous te prions, nous te rendons grâce pour notre famille. Nous comptons sur ta présence, sur ta providence, sur ta protection, sur ta provision pendant tous les jours de cette année. Père, nous prions pour le ministère du foyer de communion. Père, c'est toi qui nous appelles à ton service. Nous n'avons aucun doute que ta présence et ta provision, oui, accompagnez-nous pour que service soit capable efficace au nom de Jésus.
Oh, à terre, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, nous comptons sur toi. Nous prions, Père, pour chaque personne que tu connectes à cet autel, béni et miraculeux. Oh Père, nous glorifions ton nom. Oh, à travers chaque, que ton nom se glorifie à travers chaque âme que tu nourris de cet autel. Accorde repentance, salut, croissance à tous égards, guérison divine et spirituelle, guérison physique et mentale, abondance et prospérité à toute personne connectée à ce service. Père, tu connais chaque âme que tu connectes à ce service et tu les connais par leur nom. Dans ta parole, tu dis que tu connais les brebis que tu as dans ta bergerie et tu les identifies par leur nom. Père, où qu'on est au chaque, répond à besoin au chaque gagnant. Répond à besoin spécifique, yo. Oh papa. Par ta toute puissance, par la toute puissance de ton nom, réponds, Père, à nos besoins spécifiques dans le foyer de communion et à chaque âme que vous connectez à service ça. Papa, nous prions pour les partenaires du ministère du foyer de communion. Père, que la santé divine, la sécurité, la provision, la prospérité accompagnent leur famille, leur entreprise, leur vie. Nous prions pour la famille Poléma et toute famille affectée par cette insécurité criante qui fait tant de mal à notre pays, à notre société, à nos concitoyens, à nos familles et à nous tous. Sois, ô bon Père, la source de consolation et de relèvement pour toute la famille, notamment pour notre sœur Ludy et sa famille respective. Nous prions pour Fabiola Figaro. Ô Père, restaure ta fille bénie au nom de Jésus. Ô, nous prions pour chaque monde, Papa, qui a souffert Konya. Papa, nous prions pour Milouz avec vol Sidonésia. Papa, opérez un miracle en faveur yo. Accordez-vous santé, mais aussi l'ouvrir porte qui ferme devant yo. Nous prions pour Jean-Ril, pour Manouchka et Vanessa. Nous prions pour Kenol et toute leur famille. Nous prions pour Elsina, Widlin, Elsira, Junise, Jocelyn, Witsterlin, Amael, Junior, RG, Berly et famille yo respectivement. Nous prions pour l'année 2023, ça, Papa. Notre pays, toutes les familles haïtiennes, les quartiers d'Haïti, les villes au Père en Haïti, toutes les entreprises, les hôpitaux, toutes les routes, les marchés, les magasins, les rivières, oh les mers, au nom de Jésus, nous déclarer que nous sommes sous contrôle. Au nom de Jésus, nous déclarons sous contrôle. Papa, merci. Merci. Merci pour journée aujourd'hui. Et nous comptons sur grâce. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et disons amen, amis. Amen. Zami mwen, tout zami nou yo, c'était communion au quotidien. M'espère que nous rejoignons ensemble pour nous capables continuer aventure là. Et m'daremen dire que bon Dieu gagne en pile en réserve pour nan parole li. Li gagne peut-être une surprise pour ou ané ça. Nous souhaitons une année 2023 avec bon Dieu, dans la présence surabondante de Dieu. Particulièrement journée ça, nous souhaitons une journée de surabondance avec Dieu. Pour santé spirituelle, pour santé mentale, pour santé émotionnelle, pour santé physique, et même pour santé financière, nous devons dire pour trouver un temps
pour lire parole bon Dieu et pour prier. Pas hésiter solliciter nous si vous besoin aide dans niveau ça. Nous là pour ça. Pas oublier parler avec un autre monde de Jésus jodi a. Et voilà comment on souhaite une journée excellente sous la puissance du Saint-Esprit.